bonne chose parce que ça va permettre aussi au pays d'avancer un peu. Quand l'ancien président et le nouveau ne s'entendent pas, le pays recule un peu. Je pense que la rencontre entre les deux chefs d'État, je crois que c'est une bonne chose parce que vous savez que nous sommes dans un pays démocratique. Il faudrait qu'il y ait quand même de dialogue entre les deux mastodontes d'un pays pour qu'il y ait véritablement le développement. Le président Boni YAYI, c'est un ancien chef d'État qui est trop attaché au peuple, au public. Je ne dis pas que Talon n'est pas attaché au public, mais pour le président, l'ancien président, pour lui, il veut le développement de son personnel. C'est une manière pour lui de contribuer, de porter sa pièce à l'édifice de développement de ce pays. Je crois que la rencontre entre les deux chefs d'État, s'ils parviennent à s'entendre sur des points vraiment saillants, je crois que c'est une bonne chose. En fait, ce qui nous unit là dépasse ce qui nous divise. C'est le pays, le Bénin là qui nous unit. Seulement que ce qui est dommage, ceux qui se sont tués à cause de leur malcompréhension, ceux-là ne peuvent plus se revoir. Mais les deux là aussi, aujourd'hui maintenant, ils se sont vus. Donc c'est une bonne chose. Désormais, nous qui sommes vivants là, nous devons savoir que ce qui nous unit, c'est le Bénin. Je vous embrasse, vous soyez en bonne santé. Je suis tout ému. Merci.